Stéphane Knops, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de Chèque Domicile, CESU, le premier émetteur donc, de moyens de paiement qui permet de bénéficier des services à la personne à moindre coût, puisqu'il est préfinancé. Mmh. Alors, je suis un bénéficiaire. Quelles sont les étapes pour avoir le chèque domicile? Alors, en fait, il faut être, en général, soit un employé, un salarié d'une entreprise pour pouvoir en bénéficier, ou bien en bénéficier via un autre financeur, qui peut être une collectivité, une caisse de retraite ou une mutuelle. Prenons le cas d'une entreprise, vous êtes employé d'une entreprise qui vous permet d'accéder en fait au service à la personne via le chèque domicile CESU. Donc vous allez voir votre direction des ressources humaines, votre comité d'entreprise, l'un ou l'autre, celui qui en fait finance le chèque domicile CESU. Vous faites la demande de votre chèque domicile CESU dans le cadre fixé par l'entreprise. Vous allez les chercher et ensuite tout simplement, vous avez un petit guide d'accompagnement qui va vous expliquer comment faire pour trouver un prestataire de service à la personne qui viendra chez vous vous faire profiter de services à la personne comme le ménage, leur passage ou la garde d'enfants. Quels sont les avantages pour un bénéficiaire? Alors l'avantage pour un employé par exemple, c'est d'avoir un CESU préfinancé. Donc ça veut dire qu'il est préfinancé par l'entreprise. Je prends un exemple concret. Vous allez chercher un chèque domicile CESU de 20 euros. L'entreprise y a participé à 10 euros. Donc si vous prenez une heure de ménage à 20 euros, eh bien cette heure de ménage ne vous coûte que 10 euros puisqu'elle est préfinancée par votre entreprise à hauteur de 10 euros. Et en plus, sur les 10 euros qui restent à votre charge, vous avez 50% de crédit d'impôt. Donc en fait, cette heure de ménage qui coûterait 20 euros dans le cadre du quotidien, eh bien ne coûtera à l'employé qui a un CESU de 10 euros que 5 euros en définitif. Stéphane Klops, je vous remercie. Merci.